Bonjour YouTube, oui c'est toujours ton streamer préféré, ça fait très longtemps que je n'ai pas streamé, ça fait 2 ans que je n'ai pas streamé, et je me suis laissé pousser la barbe, et les cheveux, et voilà, putain je confonds. En fait j'ai tellement pas l'habitude de dire pousser les cheveux que j'ai dit pousser la barbe. Mais non mais arrêtez avec les clips là, il y en avait déjà un. Arrêtez. Trop belle ta citrouille de doigts. Ah là là, il y a Genius qui vous fait un bisou YouTube. J'ai chaud. Pourquoi j'ai chaud comme ça? Est-ce que vous savez? Savez-vous? J'ai récupéré le rayon plasma, je crois, la dernière fois. Hein. Il me semble qu'on en était là. On a le piou-piou, on a le piou-piou plasma. C'est trop bien. Alors si vous vous demandez, YouTube, pourquoi j'ai des cheveux maintenant, c'est parce qu'on m'avait fait faire le pom-pom boy juste avant. Fallait être là, hein. Fallait être sur le stream. J'ai pas vu, j'ai pas l'historique quand je clip sur mobile. Eh ben fallait pas être sur téléphone mobile. Tout simplement. D'où tu me regardes pas sur un écran 4K. Hop, on repasse. En mode capture, on va augmenter le son parce que c'est vrai que le son est faible. Ah oui, il avait cassé mon vaisseau. L'autre vilain là. Ça fait un peu plus mal qu'avant, hein, faut avouer. Alors. Boom. Bon, eux c'est des gentils, donc on va pas les taper. Parce que les gentils, on les aime bien. Oh, c'est tout fondu. Regardez ça, tout fondu. Hop. Évidemment, c'est le tuto. Hein. Qu'est-ce donc? Chauve-souris hurleuse. Voilà, bah bisous les chauves-souris. Hein. Bon, comment vous allez sinon vous? Parce que du coup, on n'a pas eu le temps de discuter de vous. Parce que c'est ça, tous les yeux sont sur moi. Mais je vous ai mis une photo du tournoi de ma fille sur le Discord. Ah bah, on ira voir ça. Ah, je peux tirer d'aussi loin? Trop bien. Faut que je vais où par contre? Ils sont bien mignons là, mais j'ai cassé mon vaisseau. Allez, c'est parti. Oh, trop bien. Trop bien le plasma. Hein. Allez. Bon, par contre, je sais toujours pas viser, mais un jour. Ils ont fondu les machins quoi. Ça je l'avais fait. Ben voilà. Ça va, tu travailles aujourd'hui? Bah donc du coup ça va pas. Faut pas travailler hein, faut pas travailler le samedi hein. Arrête ça tout de suite hein. Voilà. Projecteur holographique relié au réseau principal de Celestus, aucun signal n'est reçu. Ah d'accord, c'est parce que j'ai buté l'autre.
suis payé pour travailler le samedi, ça me va. Ouais. J'espère que t'es payé pour bosser les autres jours aussi, quoi. Le Sadi, c'est interdit au Groland, ouais. Mais bon, on n'est pas au Groland, c'est ça le truc. Tchou! Ça, je pense que j'ai pas encore ce qu'il faut. Ah, là il y a un truc, regardez. Il y a un truc qu'il fallait faire fondre. Et moi je l'ai fait fondre. C'est quoi ? C'est un canon. Bam. Ouais, j'ai pas encore ce qu'il faut non plus. Et en plus pour les sabres, oh là là là. T'as vu. C'est bien après, ça te permet de prendre des tiers 2 sur le sur les chaînes de tes streamers préférés, donc c'est ok quoi. Est-ce que vous pensez que si je mets tout le temps des si je mets tout le temps des perruques, je peux remplacer Edouardine ou pas? Est-ce que vous pensez que là on y est presque? Genre c'est tout. Utilise un peu la GoXR et ça sera nickel. Faut juste que tu sois bruyant quand t'as peur. Je vais faire quoi? Je sais plus là. Avec cette ignace, il manque un t-shirt en maille large, ce serait top. Comment ça? J'ai pas la ref. Il y a une ref? J'ai pas la ref. Ah, attendez, regardez. Comment ça, well done? Ah mais oui, c'était ça! Ah, ça y est, je me rappelle, oui, c'était ça. Fallait que je fasse fondre le truc. Ah mais oui c'était ça, ah mais tellement ça oui, c'est ça, mais je suis juste à côté en plus, c'est bien. Et en fait ils m'ont vu passer devant, ils ont dû se dire mais pourquoi il s'arrête pas ce con? Pourquoi il s'arrête pas? C'était là le... C'était là? C'était là et cet imbécile s'arrête pas. Mais c'est bon, je me rappelle maintenant. Regardez.
Regardez, je fais de la soudure. Putain là. Eh, faites des soudures comme ça, je pense que ça va gueuler. Hein. En vrai. Hein. Elle est sacrément moche, cette soudure. Hein. Ça, il l'avait pas cassé. Ça, il l'avait pas cassé. Il avait cassé ça. Oh, cette soudure parfaite, quoi. Communication online, ouais. Ok. Attendez, est-ce qu'il faut que je... Oui, il faut que je rescanne les machins. Circuit réparé. Écran de statut de l'UA, unité activée, connectée au réseau principal de Celestus. Ok, ça c'est bon. Ça c'est bon et ça c'est bon, donc faut que je retourne là-haut. Faut que j'aille parler au grand ordinateur. Hop. Ah, je veux pas concurrencer Edwardine, je veux remplacer Edwardine. C'est pas la concurrencer. Nana, super ordinateur organique chargé d'entretien de Celestus. Terminal de communication. Allez, parle-lui. Mais parle-moi. Ah, oh, dommage. Ah, oh, c'est bizarre, hein. Oui. This facility possesses the components to create such a device. We would like you to build this device and drop it on the Leviathan shield. Unfortunately. It's too large for you to lift unaided. You will need assistance to move and assemble them. There is a Federation landing site far to the east of Skytown. You will be able to find something to help you there. We will upload the current map data of this area to your suit. Bam 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 bam. Non mais allez-y hein. Vous savez quand je dis Samus a détruit tout, la faune et la flore, là elle va faire péter un truc, une ogive thermonucléaire pour déverrouiller un déverrouiller un une protection et c'est ok quoi. Un beau t-shirt filet serait top sur le Tonium. Avec un peu d'huile. Oh, de l'huile. Mets de l'huile, petit homme. Bah super. Bah voilà, regardez, j'ai la carte maintenant. I've got the card. Regardez. C'est là qu'il faut que je vais. Je crois. I'm not sure, but I think so. Ok, bon, ça c'est fait. Ah, le plasma ça ouvre pas les portes plus vite hein. C'est bien dommage. Mise à jour, vaisseau auto-réparation terminé, vaisseau prêt pour l'utilisation. Parfait. C'est où le site d'atterrissage? C'est à gauche. C'est ça. Je l'avais vu ça.
Ne se trouve pas sur cette planète. L'objet dont vous avez besoin se trouve peut-être sur une planète que vous avez déjà visitée. Un petit R comme Rabia. R comme Rabia. Et un petit T comme Tony Hobb. Comme Tony Hobb. Ça fait baisser mes FPS quoi. Ok, donc ouais, il me faut le... La boule machin là. Allez, fonds-moi ça là. Hein ? Ok. Ça, ça fond aussi. Maintenant, je peux rentrer dans le tuyau. Oh là là. Trop bien. Je sais pas où je vais. Hein. Je sais pas où je vais, mais j'y vais. Hein. Ben voilà. Réserve de missiles. Pam 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 pam. Donc on a fait tout le tour là, c'est ça? D'accord. Ensuite. Ah là là, c'est à droite. Merci. Non, c'est pas ça? Si, c'est ça. Samus, the security locks have been engaged on this landing site. This was surely a result of course. I will unlock this area. Allowing. Ah voilà, merci. Genre tu pouvais pas le faire avant mec. Un bam 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 bam. Atterrien. La la la. Et comment il est bien réparé mon vaisseau là. C'est trop bien. Par contre, il faudrait... C'est pas ça. Je veux avoir accès aux autres cartes. C'est ça? Planète actuelle. Carte de la galaxie, voilà. Et moi je veux voir le brio. Il y a des trucs que j'avais pas vu. Là, regardez, il y a une porte orange là. Il y a deux portes orange, donc il faut que j'arrive ici. Au hangar. Et bah c'est... Attendez, il y avait autre chose là, non? Non, là, il y a un petit renfoncement, mais ça c'est une connerie. Ok, donc faut que j'aille là-bas. Hop! Mais mon petit vaisseau sauvegarder et entrer dans le vaisseau. Ça
ça gratte. Ça gratte les cheveux. Le saviez-vous, les cheveux ça gratte. Par contre le fond vert marche plutôt bien hein, sur les bouclettes hein. Merde, attendez. Je trouve que il est pas trop dégueulasse mon fond vert hein. Je veux pas ça moi, je veux pas aller là. Je veux retourner sur le brio. Hop, là. Ah, il me demande pas où je vais atterrir. J'ai deux sites d'atterrissage. Il me demande pas. Mais non, il va falloir que je retraverse tout. Ça fait chier. Ouais, ça va, c'est pas si compliqué que ça, a priori. C'est pas si grand que ça, donc ça. Puis maintenant que j'ai le truc, maintenant que j'ai le rayon plasma, je pense que je vais faire beaucoup plus de mal aux ennemis. Ah mais oui, ça je peux faire fondre maintenant, non? Oh les malins. Oh les malins. Oh les gros malins quoi. C'est quoi ces merdes là? Voilà, et de 1. Et de 2. Ensuite. Ça je l'avais pas vu ça. Structure identifiée, ni sauteur extérieur incroyablement solide, aucun signe de vie détecté à l'intérieur, ok. Pour handball, loisirs, pour encourager les équipes à promouvoir et recruter les femmes, les buts féminins comptent double. Le défaut de ne pas voir encore déménager, pas pouvoir acheter la nouvelle télé durant le Black Friday. Bah dites-lui qu'elle peut la stocker quelque part. Mais ouais non, il y a des bonnes affaires hein, j'ai l'impression. Hein. Autant d'habitude c'est pourri, mais j'ai l'impression que cette fois-ci il y a des bons trucs. Hein. J'ai regardé, alors pas pour moi, mais parce qu'on m'a demandé de regarder pour un PC portable hier. Et chez Dell ils font des réducs là, c'est juste assez ouf. Hein. Non mais barre-toi. Voilà. Voilà, meurs. Voilà, merci. Et donc je vais pouvoir aller là aussi, non? Ouais, c'est ça, il y avait un truc qui était gelé ici. On va pouvoir y aller. Trop bien. Hop. Oh là là, j'ai sauté un poil tard. Hein. Ah oui, non, faut que je passe par là. Il est vrai.
Hop, hop, hop. Hop. Hop, hop. Et hop. Et là. Zbam. Et ben voilà. Petite réserve de missiles en plus. Ensuite, je vais par où ? À gauche, hein. Bon, c'est ça, à droite, tout est fait. Donc là, je vais à gauche. À gauche, toute. Oula, il y a un truc là. Peut-être pas. Oh, j'ai tous fait péter. Ce qui n'est pas très sympa, mais ce qui est drôlement efficace. Ok, let's go. Par là, hein. Oui. Ah non, point douté. Que des trucs ont changé ici, je crois pas. Non. Allez, on s'ouvre. Oh, les temps de charge, c'est infernal quand même. Par contre, les temps de chargement sur ce jeu. C'est vraiment pas ouf, hein. Toujours là, hein. C'est ça. Puis on va en bas. Allez, fais-nous descendre, gars. Alors, c'est peut-être là parce qu'il y a les... T'as vu ? Il y a les points d'accroche, là. Donc, une fois que je suis ici... Faut que je vais où ? Dommage. Quand même bien tenté. Ensuite. Faut que je monte, mais je sais plus comment je monte. Quand même de 1 et débloquer. A débloquer l'accès au temple. L'unité est définitivement désactivée. Ah oui, mais c'est bien, mais moi je veux aller là-haut. Ah. Attendez. Non, c'est pas là. Comment je fais? Parce que là maintenant ça je peux l'avoir aussi maintenant le U là. Donc je devrais pouvoir monter. Ah. Position mécanisme de fermeture est enclenché. Possible de les ouvrir depuis. Impossible de les ouvrir depuis ce côté. Il faut ouvrir depuis l'autre côté. Ah merci hein. Attendez, si j'arrive à monter là-haut là. Attendez, est-ce que ça je peux le. Ça, je peux le refroidir, d'accord.
Est-ce que ça me donne quelque chose? Ça a pas l'air. Là je peux sauter là-bas. Non, trop haut. Il y a forcément un truc pour arriver là-haut, non? Où je me fourvoie complètement. Attendez, là, est-ce que je peux monter? A priori, non. Ok, donc là, il y avait quelque chose. Là, il y a un truc. Mais est-ce que je peux l'atteindre? Déjà, est-ce que je peux arriver à sauter normalement? Merci. Ok. Ah, là, il y a une porte. Mais... Ah, d'accord, c'est peut-être là-bas. D'accord, ok, c'est peut-être là-bas. C'est bon. Donc il fallait que je suive le chemin normal en fait. Voilà, je me galère depuis tout à l'heure. On va sûrement revenir par la gauche en fait. Ah ça c'est fait. Oui, ouais j'ai chopé les trucs qu'il fallait. Hop là. Vas-y. Merde. Mais c'est pas là. Aïe. Mais non, mais arrête. D'accord, ok. Voilà. Comment j'y vais? Ah, c'est dans l'autre pièce, d'accord, ok. My bad. J'ai cru que c'était à partir d'ici, mais en fait pas du tout. Hop. Oui, oui, non, attendez. Ma fille a perdu son premier match. Pourtant, je les avais bien... Je les avais bien soutenus, hein. Avec... Avec cet encouragement au début, je comprends pas qu'elles aient perdu. Hein. Les ruines réticuleuses anciennes sur Brio révèlent un pic d'énergie unique, nous suggérant d'aller enquêter sur ce phénomène, un téléchargement des données en cours. Puis sur 1 pour accéder à l'écran de carte. Ah bah c'est complètement autre chose. Voilà. Voilà, c'était pas du tout là. C'est pas grave, parce que là je vais récupérer des trucs exceptionnels, vous allez voir. Ça va être super. Ok, vas-y. Ok, non. Là, je suis coincé. Non, mais vas-y. Ah merde, c'est la... Putain, c'est tout con, c'est la porte qui est là, quoi.
Ah mais des fois... Des fois, quel gros sac hein. Allez, oh, putain, c'est chiant. C'est vraiment long, hein. Ils font comment les speedrunners? Peut-être qu'ils jouent sur la version... Merde, il est derrière moi. Ok. Plein de trucs à scanner. La tâche de sécurité en place, le surchargé d'énergie pourrait le déverrouiller. Générateur connecté à un système de relais de rail proximité, impossible de rétablir son alimentation directement. Exterminer le système de rail magnétique n'est pas connecté à l'atelier utilisable. Hop. Porte verrouillée, vulnérable aux températures, impossible de détruire directement. Tâche de sécurité est en place, une arme à haute température pourrait la détruire. Genre ça. Pourquoi la situation? Oh, je suis pas si loin que ça quand même. Vas-y. Tang, tang. Tang. Golem en veille. Gna gna. Qu'est-ce qu'ils disent? Données traduites. Ok. Bon. Tac, 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 il y a tout ça, il y a machin, il y a truc, il y a bidule. On est bien, bon. Ah. Ah. Allez, on l'active. Il va nous faire faire. Oh, il va péter la porte. Putain, il fait fondre la porte, le gars, quoi. Putain, il déconne pas, quoi. Putain, il déconne pas quoi, c'est Alors si vous voyez le matin et que vous avez cette haleine là, je vous conseille d'aller vous laver les dents. Parce que là, pas ouf. Hein. Pas sympa pour les potes. Hein. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Tâche de sécurité est en place, une arme à basse température pourrait la détruire. Genre ça. Oh le mec, il a tout fait geler quoi. Oh là là, ils sont infernaux eux. Merci. On peut pas être tranquille 2 secondes quoi. C'est pas possible. Hop là, c'est pour me dire le golem ne marche plus, blablabla. Hein. C'est quoi ça? La surcharger d'énergie pour la détruire. Ah, c'est pas le truc. Ah,
Non? Ça. C'est pas ça. Ok. Si je vais par là, ça fait quoi? Je ne sais pas. Donc on va aller essayer tout de suite. Les données. Ici nous avons cage invulnérable au tir d'armes, un impact de grande force pourrait briser les barreaux. On va falloir que j'appelle mon vaisseau. Débris de roche semble impossible à déplacer, un impact de grande force pourrait les briser. Les golems de guerre colossaux écrasaient leur ennemi grâce à leur taille. Rebonjour. Vas-y, non mais là, voilà. Merci. Le vaisseau ne transporte pas l'objet. Oh. Super. Et vous pensez aux fraises à cette époque-là? Ah. Merci. Hein. Mais viens là toi. Viens mourir. Merci. Mais je peux aller en bas maintenant. Ah ouais. Du fromage et du poulet. C'est pas mal aussi. Vous avez pris quoi comme fromage? Qu'est-ce que vous avez pris comme fromage? Vas-y. Dis-moi. Parle-moi fromage, s'il te plaît. Là, je suis un peu bas pour ça. Là, je suis un peu loin, non? Bah ouais, je suis un peu loin. Là je me retrouve comme un couillon. Bon bah demi-tour. Hein. Après j'ai pas, a priori j'ai pas encore le matos pour ça quoi. Sauvegarder et entrer dans le vaisseau. Coucou Blacky, je te parlais fromage. La semaine prochaine, il devrait y avoir une fondue au Morbier ici. Oh là 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 là. Mais dis donc. Alors, as-tu vendu ton PC? Non. Je vous rappelle que j'ai un PC à vendre. Vacherin, Mondor, Gruyère Suisse, Loremtin et Gouda de chèvre. Autant le fromage c'est top, autant le poulet je te le laisse. Blacky, la bagarreuse de chat. Bah elle se bagarre pas avec son chat Blacky. Ah c'est comme ça qu'on va à l'autre bout en fait. Ah d'accord, ça y est je viens de comprendre. Je viens de comprendre quand il y a deux... d'accord, quand il y a deux pistes. Comment ça va, Blacky? Si tu ne m'as pas reconnu, c'est Tony Hub. Hein. Je...
Il a dit que s'il n'était pas vendu les 4 prochaines semaines, il l'offrait à ma fille pour Noël. Non. Bonjour. Non. Vu le prix du truc, je ne pense pas. Ça aurait été un Raspberry Pipico à la limite. Ah, j'ai pas... Non, mais il y a des trucs que j'avais pas vu avant. Hein. Plaque en acier maintenue en place par un système de verrouillage rudimentaire. Il y a des trucs en haut, quoi. Il y a des trucs que le jeu essaie de me cacher. Ah, ceci est le cinquième empereur de la liste... des clowns ? La dynastie des clowns ? Comment ça, la dynastie des clowns? Normalement, voilà, je me rappelais qu'il y avait des petits coquins, là. Ça va, je suis avec Gromy, on se lance une partie de Civ 6 ensemble. Pourquoi la bagarreuse de chat et pourquoi cette perruque? Fallait être là au début du stream. Vas-y, entends-y. Ah, c'est vrai qu'il y a... J'avais oublié qu'il y avait un clip. Ah. Ah merde, fallait que je décolle. Ok, d'accord. J'ai compris. T'as blacklisté le Jean-Michel à vous ? Non, c'est juste qu'il est valable qu'une heure en fait. Ah, il y en a, vous pouvez en faire un toutes les heures. Il y a un cooldown, sinon après... c'est un, sinon, je sais que vous êtes inferno et que sinon on passerait des streams entiers à faire du Jean-Michel à vous. Et je pourrais plus streamer. Enfin, je pourrais plus streamer. Je pourrais plus faire de jeu. Donc, donc c'est pour ça que le Jean-Michel à vous... est limité. Et limité à 1 par heure. Et meurs toi. Ah bah il me semblait bien qu'il y avait quelque chose, j'entendais un truc. Ça serait un concept ouais, mais un concept des fois un peu chiant je pense. Ah. Oh. Dégueulasse ton truc là, Jean-Pierre. Tout, tout, tout. Une réserve de missiles, parfait. Ah, il y avait un truc là-bas. Ah, il y avait deux trucs là-bas.
Merde, faut que j'y retourne. J'ai pas analysé toutes les statues. Quelle honte. Bon, faut que j'aille où maintenant? D'accord, par là, puis par là. Ok, marche. Non! Bah oui, forcément. Les pieds dans la lave, hein. Je vais tout à côté. J'ai réussi. Il ne m'aura fallu que 15 ans pour arriver à les détruire. Celui qui est tout en haut, hein. Je crois. Non, c'est pas ça. Comment j'y vais? Merde. Je me suis fait avoir, évidemment. Le faire. Hop. Ensuite. Comment mets-nous ça? Ok, ça m'emmène là. Maintenant, j'ai pu casser la glace. Ok, ça marche. Puissant pourrait probablement le briser. C'est le golem ça. Structure non identifiée était gelée sur place, c'est-à-dire aux températures pourrait faire fondre la glace. La colonne en pierre suspendue peut être poussée d'un côté, de l'autre, et trop l'autre sans aide. Ok. Donc j'active le golem du coup. Ouais. Merde, je me suis planté. Il y avait qu'une sortie là. Il me semblait qu'il y avait un truc à droite. Ah non, il y avait qu'une sortie. C'est moi qui ai fait le con. Et là, on recommence. Mais... Allez, éclate tout mec. Défonce tout, vas-y, fais-toi plaisir. Bam. Trop bien. Je l'avais pas scanné je crois. Si, je sais plus. Qu'est-ce donc?
Énergétique unique détecté. Ce socle émet un signal de téléportation approchez vous pour vous téléporter. Et elle a pas peur. Samus, elle a pas peur. Nouvelle zone découverte. Formation de glace semble fragile, la tire haute température pourrait la briser. Oui, bah ça je. Oh merci, hein. Merci le jeu, hein. Clair que sinon j'y aurais pas pensé, hein. Brianne traduite. Donc si je veux remonter, de toute façon il va me falloir le... Le saut machin quoi, donc Non mais j'y suis. Ah, je les entends pas. Je ne vous entends pas. La couche de glace couvre un grand trou dans le sol, un tir haute température pourrait briser. Ouais mais j'ai pas envie moi. Protection activée, amènera toutes les armes, même les plus puissantes. Ok. Maintenant je fais quoi? Attends que je suis bien coincé de l'autre côté, je fais quoi? Je saute? Ah d'accord. En fait il fallait glisser, d'accord, ok. Je viens de comprendre. C'était prévu pour pouvoir glisser tranquillou quoi. J'ai l'impression qu'il y a un statut représentant, ouais, le premier don de la technologie Shozo offert au Reticulus. Ah ! Statue représentante Enge, le premier empereur Reticulus à avoir reçu un don des Shozo. Il est un peu grand, non ? De la FG, statue représente les Xls. Putain, mais on dirait vos pseudos. Un clan important de Brio. Attaque en vrille. Attention, alors est-ce que c'est mieux fait que dans le 2? Je me pose la question. Je me demande, hein, parce que... Dans le 2, c'était un peu merdique quand même. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, d'accord, oui. Évidemment. Évidemment que la statue Piu-Piu, elle est là pour nous emmerder. Ça a l'air d'être mieux géré que dans le 2, hein. LFG, statue sculptée dans l'espoir d'une nouvelle ère, la paix sur Brio. Après, les gaz de schisme. Ah, ma main.
Disque bleu de la paume semble être un mécanisme de contrôle, un tir puissant pourrait l'activer. Ok. Surface de saut mural, cette zone est conçue pour fonctionner avec le système d'attaque en vrille, ouais, évidemment. Ah, j'allais dire ça saute tout seul, mais en fait non. Parce que ça a donné l'impression que ça sautait tout seul. Mais pas du tout. Non mais je ne capte pas. Sublime. Hop. Réserve de missiles de vaisseau obtenue. Parce que je suis un petit malin, et maintenant tout est refait pour qu'on puisse revenir comme ça. Et là, pareil au mom. Oh là là, c'est beau. C'est beau ce tutoriel quand même. Ah là là. Quoi? Qu'est-ce que c'est donc? Ah bah c'est le... Oui d'accord, c'est le téléporteur, je suis bête. Approchez-vous pour vous téléporter. Et bah vas-y. Téléportation. Le golem de cérémonie a été utilisé et maintenant il est éteint. Les trucs qui servent une fois quoi. Pas très développement durable quand même hein, tout ça. Hein. Ah. Salut. La plupart des prisonniers scripticulus s'est enfermé une cellule et mort de faim. Sympa. Bonne ambiance, hein. Répondez. Tout va bien? Nous avons de nouvelles informations importantes pour vous. Une sonde de reconnaissance a découvert l'emplacement du vaisseau amiral porté disparu. Le Valhalla. Comme vous le savez, ce vaisseau a été attaqué par les pirates il y a 5 mois. Allez enquêter à bord du Valhalla pour découvrir toutes les informations utiles sur les pirates et leurs plans. Téléchargement des coordonnées en cours. Sur un accès à l'écran de carte. Enquêter à bord du Valhalla, ok. Tout de même. Y a-t-il des choses que je n'ai point explorées ici?
La grotte de Ah oui, non, mais ça me ramène au début, en fait, c'est ça. C'est un raccourci. Ça, je m'en rappelle. Ça, c'est un raccourci. Après, le reste, a priori, j'ai exploré, quoi. Bonjour. Vous t'es fort en beauté, cher ami. Eh bien, merci beaucoup. Je sais. Ça pousse vite. Ça pousse vite, les cheveux. I know. Ah, attendez, j'ai un appel. Je prends l'appel. Je sais pas ce que c'est. Heureux. C'est bon. C'est désolé, c'est une pauvre nana du WWF qui va sûrement me demander si je peux augmenter ma contribution. Et malheureusement, je vais lui dire non. Comme à chaque fois. Ce machin là. Phasoïde, énergie phason, physique, vulnérable aux attaques phason. Ah d'accord, il est vulnérable qu'à ça quoi. Aïe. Putain, ils font mal ces cons. Waouh. J'avais ça tout à l'heure. Attendez, je vais dans le bon sens là. Déconnez pas. Putain, je vais pas dans le bon sens. Je suis pas allé au bon endroit. Merde. Eh, un truc rouge là-haut. C'est quoi? C'est rien, c'est le ciel. Ok, bon. Ah. Allez. Non mais, Samus. Merci. Ouais, mais je vais par où? Ah mais c'est en dessous. Oui d'accord, ça y est. Ça y est, je l'ai. Ça me brûle. Ah mais bah va-t'en toi, va-t'en. Oui c'est ça, t'énerve-toi tout seul. Moi j'ai autre chose à faire. Du coup Bibi, si tu es encore là, t'as réussi ou pas pour le téléchargement? Le lien que je t'ai envoyé ou pas? Ou t'as pas réessayé encore? J'ai pas réessayé, j'étais à la bibliothèque, j'ai laissé monter la loupe. Ok, ça marche. Ah,
Ah merde, ça va. Oh merde. Mais non, mais je voulais juste voir la carte en fait avant. Dommage. Et bah du coup, je sais plus ce que je voulais dire. Oui, donc bah voilà, je t'envoyais le lien. Et tu as vu mon lien d'hier sur la petite promo ou pas? Petite promo, pas cher. Je ne sais pas si tu as vu, mais pas cher. Hein. Pour de vrai. Hein. La la la. Et du coup là on a quoi? Est-ce qu'il y a des trucs que j'ai pas exploré ici? Bah oui, oh là là, il y a tellement de trucs que j'ai pas exploré là. Là j'ai pas fait. Mais hangar. Ah mais on voit tout en fait. Ah mais d'accord, ça c'est un lien pour rejoindre les deux trucs, pour les faire rejoindre ensemble quoi. Oh. I've got it, ok. Par contre... Ce que j'aimerais bien, c'est... Voilà, c'est ça. Est-ce que ça, je peux pas m'en occuper maintenant? Mais si, ça maintenant, je peux y aller. Je peux totalement y aller. Et est-ce que avant de faire le... sa quête à la con, là, à l'autre, là? Est-ce que j'irai pas faire ça? Si. Parce que je suis sûr que nous allons trouver quelque chose d'exceptionnel. Entrer dans le vaisseau. Oh, en même temps ça va être sûrement être après. Oh je sais pas. Je peux pas y aller là. Hop, bon, vas-y. On va aller faire ce qu'elle me dit. Hein. Ba-da-da-da-da. Tchou. Regardez ça. Tchou. Un truc chelou là, non? Il y a une grosse méduse. Il y a une grosse méduse de l'espace. La la. Oups. Le VGE Valhalla. Épave d'un chasseur stiletto, propulseur endommagé au combat, le crash était inévitable. Chasseur stiletto détruit, important dégâts dans la coque, système d'alimentation court-circuité. Épave d'une frégate de la Fédération, la coque semble avoir perçu un tir direct d'un destroyer pirate. Chasseur stiletto endommagé au combat, aucun signe de vie détecté à l'intérieur.
Ils ont pris cher, quoi. C'est ça que le jeu essaie de me dire. C'est que le... Ils ont tous pris cher. Les portes du hangar sont commandées par un terminal à proximité. Utilisez-le pour les ouvrir. Poste. Pour pile d'énergie, ce poste est activé. On dirait qu'il manque une pile d'énergie. Terminal de contrôle alimenté par une pile d'énergie à proximité. L'unité est actuellement inactive. Pile d'énergie obtenue, vous avez désormais deux piles d'énergie. Je sais plus où j'avais récupéré la première, mais... Vas-y. Non, merde. Non, mais... Il y a des fois ça marche du premier coup et des fois ça marche pas quoi. C'est un peu chiant ça. Hein. Parce qu'évidemment on rescanne. On a scanné un truc qui ne marchait pas, on le scanne une fois qu'il fonctionne. Pile poil la taille de ma main quoi, c'est parfait. Alors, qu'est-ce donc? Un transporteur s'est écrasé sur la plateforme, les traces de brûlure suggèrent une explosion. Ici, appareil fiche les données de la pile d'énergie. Information stockée dans la banque de données. Soldat subit des blessures par arme blanche. Présence de phasons détectés autour des blessures. L'information de ce terminal a été récupérée, l'unité s'est éteinte automatiquement. L'astral a été détruite, la structure semble avoir été frappée par un objet se déplaçant très vite. Est-ce qu'il est là lui? Pourquoi il est bloqué comme ça? La cible semble avoir été bloquée dans cette zone alors qu'elle essayait de fuir les attaquants. L'énergie vitale de soldat a été complètement absorbée, il ne reste qu'une coquille vide. Bizarre ça, non? Ah j'étais obligé de le... D'accord, j'étais obligé de le buter pour ouvrir la porte. Toujours très sympa hein. Chasseur qui est tout détruit, le vaisseau a subi des attaques de la FG, celle des pirates. Bras mécanique a été arraché, il était couvert de traces de tir. Bras mécanique a subi d'importants dégâts dus à des explosifs. Le dispositif est hors d'usage. Morphologie, gel sac se gonfle en mesure défensive, peut exploser. Ok. Samus casse tout, c'est pas elle qui a cassé hein. Ah Otto. Otto tu es où? Il faut faire des réparations électriques. Où est Otto quand on a besoin de lui? Phason liquide engendre des sangsues phason. Dévore le phason sous toutes ses formes. C'est des sangsues phason du coup ça. Sensu phason, draine la bioénergie, sa morsure déclenche une corruption au phason. Ah bah vas-y, bah casse-toi. Comment on se débarrasse de ces merdes là? Il y a encore derrière là.
Il y en a partout de ces merdes là. Il est dans Metroid 4. Quoi ça qui est dans Metroid 4? Attendez, c'est pas un truc de sauvegarde en bas là. Peut-être pas. Peut-être pas. Plot s'est révélé incapable de manœuvrer dans les couloirs du convoyeur. Mauvais, mauvais. Appareil, la fiche de données, la fin, gna gna gna. Rampe d'accès abaissée, impossible d'atteindre le niveau supérieur. Unité non alimentée. On dirait qu'il manque une pile. Faut que je lui mette une pile, quoi. Faut que je trouve une pile. Attendez, y a pas... Y a une porte au fond, là? Ah, y a une porte au fond, mais en haut, oui, effectivement. Let's go! Ouvre-toi! Oh merde, ils sont tous revenus, là! Ah merde. Trop attendu. Error. Error. Petite porte, ouvre-toi. Ah, ils ont pas assuré sur les chargements. Le dit semble craquer, semble très peu solide, une explosion pourrait la détruire. Une brûlure de forte intensité semble indiquer que le sujet a utilisé une grenade d'énergie en combat rapproché. Parasite phason, charognard non agressif qui se nourrit des bioorganismes faibles. Cela a décédé des suites de l'explosion d'une forte grenade d'énergie. Ils ont commencé à faire péter le truc, mais ils ont pas réussi, quoi. Le traumatisme crânien dû à un impact violent est identifié comme étant la cause de la mort. Écrasé, quoi. Ah, qu'est-ce que c'est? Débris de la multitourelle MK13. La Fédération, elle a subi un tir direct de l'ennemi.
a ciblé un générateur de secours utilisé dans les urgences, unités et court-circuités. Ok, téléchargement dans la banque de données. Donc c'est qu'il faut que je vais après. À gauche ou à droite? Donc c'est que potentiellement j'ai une sauvegarde là. C'est long. Le panneau est instable. Il pourrait être arraché de force. Il semblerait que le sujet était en train de ramper vers l'ascenseur lorsqu'il a été abattu à bout portant. Le terminal de contrôle n'est pas alimenté d'énergie. L'unité est actuellement inactive. On va aller de l'autre côté. Allez, allez, tu peux le faire. T'as pas affiché les données, ouais ok. Qu'est-ce qu'on a ici? Structure s'est effondrée sur elle-même, des marques de griffes sont visibles sur les débris. J'ai un peu peur. Débris bloquent le passage, il pourrait certainement être détruit par une explosion. Ok. Qu'est-ce que c'est... Quoi? Qu'est-ce que quoi? Sauteur Phazon recouvert à un crash du venin de loin. Et... y arriver, ça lock pas, ça m'énerve. Bah dis donc, t'es résistant le petit là. Centre mal attaché, pour être arraché. Une réserve de missiles, waouh. Voilà, vu les ennemis que je me tape, remarque, je fais un petit waouh ironique, mais finalement, ça pourrait très bien m'être utile. Ok, donc c'était juste une salle pour récupérer des merdasses, quoi. Y'a un truc là-haut, hein. Ok, y'a un tuyau, on va sûrement passer par le tuyau à un moment ou à un autre. Encore ? Attendez, on va faire un truc. Ouais, d'accord. Voilà. Ça peut marcher comme ça, quoi. Effectivement, quand on les bombarde de Phazon, ça marche mieux, quoi. Attendez, le pire...
Ça marche pas ouf ça hein. Attendez, on peut encore descendre ? Ça donne l'impression qu'il y a encore un truc en dessous, non ? D'accord, non. Ça donnait cette impression, mais non, c'est, je m'a trompé. Oh, grenade d'énergie pendant trop longtemps. Quoi ? L'écran était baissé lorsque le courant était coupé. Était baissé l'énergie dans la station pour désactiver. Ouais, ok. Et j'ai plus de. Ah ça, j'ai plus de piles. Hein. Ah merde, je suis Keblo du coup. Parce que ça, je sais pas encore faire les tirs multiples là, au même endroit. Allô? Ah regardez, il y a là. Ok. Waouh. Un labyrinthe. Merde, ça c'est la fin. Dommage. C'est tout? A priori, oui. Ça pour une réserve de missiles. Ok.
Encore ? Ça marche, ça marche. Je sais pas vraiment quoi faire en fait là. Et j'arrive là. J'avais quoi en bas? Mais il y a un truc au-dessus là. Ah oui, mais faut que j'active le... Oui, c'est vrai. Ah, le mec. Quelle bande de relous, hein. Ouais, c'est pas grave. Ouvre la porte, ouvre la porte. Merci, merci, merci beaucoup. Est-ce qu'on peut retirer les piles une fois qu'elles sont dedans? Ah non, une fois qu'elles sont dedans, c'est mort, hein. C'est dedans quoi. Bon allez, hop, regardez. On va sauvegarder, on va faire une petite pause. Non, pas entrer dans le vaisseau. Le pire. Je suis le pire. Quittez le vaisseau. Oui. Hop, je re-rentre dans le truc. Pour dire sauvegarded. Hop. Impec. Allez, nickel. Putain, les piles. Les piles qui ne se déchargent pas. Hein. Je suis à deux plots depuis je sais pas combien d'heures. Bisous YouTube. À la prochaine. J'aurais pu la perruque, hein, désolé.